Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue, je suis Xcavalon, bienvenue sur la chaîne pour la suite de notre aventure sur FF7 Rebirth. J'espère bien évidemment que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver après le troisième épisode que je vous avais fait offline bien évidemment de mon côté, dans lequel on avait quitté Calme via ce souterrain, parce qu'on a vu que l'armée de la Shinra était à notre poursuite. On avait parlé un peu avec tous nos alliés et on était arrivé enfin dans le monde ouvert de Final Fantasy VII Rebirth. Et on va attaquer bien évidemment maintenant. Et on peut ramasser des matériaux de synthèse dans la nature. Pour synthétiser, vous avez besoin de matériaux. Quels peuvent être ramassés lors de vos déplacements ou obtenus en vainquant des créatures. Vous pouvez également obtenir des matériaux dans certaines boutiques. Boutique Choco, tiens, les matériaux rares sont disponibles petit à petit. Ok, très bien. Très bien, j'ai juste... Non, en fait, c'est bon. J'ai pas l'air d'avoir de... J'ai pas de minimap, là, donc ça va. Pour l'instant, c'est pas gênant. Faudra que je bouge, je pense, ma truc. Mais ok, très bien. Donc là, on est sur le... On est de retour, du coup. On est sur la map monde, on va dire, sur le monde ouvert. Hop, alors, voyons voir. Je peux aller un peu partout. Ouais, là, ça va être grand. Là, ça va être grand, ça va être génial. Et on va pouvoir vraiment aller un peu partout où on veut. La question que moi je me pose, destination Kanuri Magnata, et là-bas, ok. Alors je sais que sur la map, on est là. Nouvelle aventure, le niveau de Calme, ouais c'est ça. Donc je m'éloigne de Calme et il va falloir que j'aille bien évidemment vers ce repère. Une histoire annexe, donc c'est une connaissance de Broden, ouais voilà c'est ça. La map est grande, hein, on le voit. Et pour l'instant, on a juste cette zone à faire, donc on va y aller tranquillement. On va faire attention parce qu'il y a bien évidemment des ennemis. Donc, on est parti. Hop, et on enchaîne bien évidemment les premiers combats. Un orc. On va littéralement... massacrer le pauvre. Très bien. Et ben c'est parfait. Écoutez. Y a-t-il des trucs à récupérer? Non, j'ai pas l'impression pour l'instant. Donc, on va passer par là. On va suivre la route au maximum, je pense. Je sais pas trop dans quelle direction aller, dans quel sens passer. On va suivre cette route-là, écoutez, pour l'instant. Et puis, on verra où cela nous mène. On va essayer de pas trop couper à travers champ pour l'instant, même si ben, on a bien envie de le faire. Parce que les open world, voilà, c'est comme ça. C'est comme, évidemment. Voilà. Ok, là par exemple des orques, là c'est les monstres qui attaquent sans raison, si besoin. Donc on va s'en occuper tout de suite et on va attaquer tranquillement. Donc là on avance. Hop, magnifique. Alors que déjà il est en train de prendre mes tarifs. Je vais faire juste une analyse rapide sur l'orque. Il craint le feu, ce qui est très bien pour la suite des opérations. Et voilà, et c'est réglé, très bien. Donc on va pouvoir avancer tranquillement. On va suivre cette route, parce qu'on doit s'éloigner de Calme. Donc on va s'éloigner de Calme et on va passer par ici, par la route principale. Et là on voit qu'il y a plein d'objets, il y a des petits trucs là-bas, et des infrastructures. On va aller en voir tout ça tranquillement. D'accord, là on récupère... Oh, il y a pas mal de choses. Là, il y a quelque chose là-bas aussi. Petite habitation. Peut-être on peut aller voir, il y a des orques sur la route. Alors, hop. Boum, ça dégage. On s'en occupe tout de suite. Boum. Allez, on avance. Bon, pour l'instant, on s'occupe des orques, hein, tranquillement. Bon alors pour l'instant la musique c'est pas la musique classique de fighting mais pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a là, on a des trucs à récupérer. Il y a pas plein de trucs hein, je récupère un max hein.
toutes les pousses, tout ça, je prends hein, des matériaux de synthèse. Ça va forcément nous servir à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Rien du tout. La porte est verrouillée. Est-ce que si on fait le tour? J'ai pas l'impression. Alors, non, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Oh, c'est tellement stylé. Donc, il était de l'eau et tout, c'est propre. Donc là, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Ligue de cartes à jouer de terrain. Ah, ça doit être là. Ah ouais, mais il n'y a personne pour l'instant, donc ça sert à rien, en fait. Ok. Donc, bah, du coup, on va continuer notre route. On va passer de l'autre côté, là-bas, tranquillement. Et on va aller... Ouais, il y a plein de trucs sur la route à prendre. Pousse de sauge. Des fioles de charité de la planète, ok. On va continuer par là. Hein. Je suis la route pour l'instant. Et on va aller jusqu'à la destination de la ferme à Chocobo. Parce que c'est évidemment notre objectif. La ferme à Chocobo. Tranquillement, on va aller dans les autres zones. Tranquillement. Voilà, morceau de titane des prés. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Faut que j'aille par là. Hein. Ouais. On va aller par là pour l'instant. On va pas aller s'éloigner de l'autre côté. Même si on a envie d'explorer. On va juste suivre un peu la route et explorer un peu les environs. Mais je pense pas que ça soit non plus. J'ai pas l'impression que ça soit ultra vaste. Hop. Hop, on va faire une analyse. Il craint la glace. Donc par hasard, je n'ai absolument pas de glace. Allez mon gars. Allez, en état de choc. Lors de combat contre les ennemis coréens, c'est une joie d'invocation peut apparaître à l'écran. Voilà. Voilà, on a pas eu le temps d'y arriver, mais tant mieux. Avec les montagnes enneigées là-bas, tout ça. Bon, évidemment, il y a des zones qu'on explorera. Hein. Clairement, plus tard, mais pour l'instant. Ah, on arrive à la ferme à Chocobo. Incroyable. Moi, bon, ce que j'ai hâte, c'est le Gold Saucer, les gars. Clairement, on va s'amuser au Gold Saucer, moi, je vous le dis. Quand on y sera, ça va être quelque chose. On est à la ferme d'Oliver. La fameuse ferme à Chocobo, normalement. Logiquement. Bonjour. Oh. Fermé ici. D'accord. Une raison de Brodden terminée. Très bien. Et ben allons déjà là. On va soigner comme ça, on va régénérer tout. Et derrière, comme ça, on pourra enchaîner tranquillement. Vos PM, VM et vos PM, très bien. C'est quoi ça? Amélioration de codex. Ah oui, d'accord. Des points? Des points. Mâchure lent. Ouais. On va prendre ça du coup. Alors, on peut équiper les autres. Évidemment, on va prendre ce petit temps peut-être. Avec mon boulet de canon. Ok. Bon. Très bien, j'ai activé ça. Une compétence et une augmentation de stats, c'est pas mal. Ok. Ouais.
Ça c'est pas mal, ça c'est pratique ça. 23 les PV maximum. Ah c'est bien ça, ça c'est pratique ça. Ouais. Barrette on peut aussi. Ouais, avec un coup de pied, je vais peut-être faire ça, au moins ça m'évite d'avoir forcément Red 13 ou quoi. Je vais prendre les PV maximum, je pense, pour Barret. C'est Barret, c'est un tank, donc il vaut mieux augmenter ses stats directement. Et Tifa aussi maintenant. Il doit rester que Tifa, je pense. Alors, ouais. Ça, c'est pas mal, ça, je pense. Vrille double. Spécial. Ça, ça peut être pratique, ça. Avec de glace, on met 100 PM. Voilà. Et on est bon. Très bien. Et dans ces distributeurs, voyons voir ce qu'on a. Sans notre de que Phoenix, donc j'ai plus de 4 ma chère, ma quantité limitée. Et. Armée en cuir épais. J'en ai acheté une. Du coup, voilà. Ça coûte peu cher, donc autant en profiter, je pense. Ouais. Ok. Bon, pour l'instant, on est bon. On va juste faire ça. On se soigne, ça c'est fait. Donc, on est bon. On va pouvoir continuer tranquillement l'exploration de cette zone. Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il faut que j'aille précisément, par contre? On va voir la map. Un endroit où cacher en attendant que le calme revienne. Ouais, c'est ça. Ok, là c'est la ferme d'Oliver. Donc ça n'a rien à voir avec les chocobos. Ah oui, donc ça, faut vraiment que j'aille là-bas, quoi. C'est calme, machin, nanani. Migar, c'est où? Je le vois pas sur la map pour l'instant. Donc dans la ferme, pour l'instant, il n'y a rien de plus. Donc en fait, ici, ça sert à rien. Ouais, mais on peut avoir un chocobo peut-être pour y aller ou quelque chose. D'accord. Il arrose ses plantes, c'est génial. Bah écoutez, je ne sais pas, je pense que visiblement non, il y a rien ici que je peux faire moi-même. Donc. Ouais, bah non, du coup non. Là, il y a rien, donc ouais, non, on va aller à l'embarcadère et puis on verra bien, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Pour l'instant, du moins. Donc, on va continuer notre route, hein, tranquillement. On va continuer notre route, tranquillement. Hop. Eh ben, allons-y, dans ce cas, on est parti. Avançons. Wow, oula. Peut-être pas par là, quand même. Hein. On va repasser par là où je suis venu au début. De l'autre côté, on va récupérer juste les trucs qui sont là, là. Pas mal de petites fioles là, donc c'est cool, on prend. Et du coup, on y va. Hop, c'est par là-bas. Allons-y. Allez. Allons-y, là. Ouais, nickel. Là, ça c'est bon. Donc allons-y.
Bon, ça c'est super. Ah, quoi ça? Un chariot est bon usé. Bon, j'ai envie de travailler, mais proposer un coussin. D'accord, ok. D'accord, ok, je vois l'utilisation des coussins du coup. Bon, pour l'instant, ça sert à rien parce que je suis déjà full vie. Mais ok. Bah, c'est nickel. Allez, on va attaquer par là maintenant. Hop, tac. Aïe. Certains ennemis utilisent des attaques imparables qui vont nous capturer un nouveau personnage. Personnage, d'accord. Donc un ré permet à Retrez d'effectuer des attaques. Incroyable, Retrez. Let's go. J'attaque avec un chien. Excellent. Oh, il fait mal. Oh, les dégâts. Ah bah lui, il a pris tarif hein, pour le coup. Il est en état de choc, hein, c'est fini. Hein. Ah voilà, nickel. C'est réglé. Et du coup, nous, on peut continuer notre route. On va suivre la route. Hein. On va suivre la route tranquillement, tout en récupérant des trucs sur la route. Puis on va essayer d'échanger en même temps. Ce qui peut se passer. Plein d'animaux, là, c'est cool. La flore et la faune sont vraiment très, très riches. Hein. Pour l'instant, c'est cool. Il y a vraiment beaucoup de variétés, j'aime bien. Et nous, le but, c'est qu'on aille au vieil embarcadère. Donc, on va y aller. Et hop. En tout cas, on l'entend au niveau de la musique. Hein. Le map monde, c'est exactement la même chose. Nombreux ennemis sont fragilisés lorsqu'on exploite une faiblesse élémentaire. Alors, compétences, analyser, hop. Ils craignent feu et glace, donc ça c'est parfait ça. Ça craint le feu, ça. Bam. Allez, hop, on va lancer direct en état de choc. Ça, c'est nickel. Hop. Parfait. À ton tour maintenant. Ressors-toi. Allez, hop. Pour être utile, vu que j'ai un sort de glace, je crois, avec Iris. Non, foudre avec Aerys et Tifa qui a glace. Ok. Donc du coup, il faudrait que je change mon équipe au pire, mais bon. Pour l'instant, on va rester comme ça. Et on va avancer tranquillement. C'est vrai que maintenant, là, on a plein de monde dans l'équipe, donc du coup, on pourra vraiment faire une variété assez cool. Allez, hop. Tac, tac, tac. Quoi ? Bon, il y en a tel choc, c'est parfait, on va pouvoir l'achever comme ça rapidement. Le rat toxique, par gaffe. Allez hop. C'est réglé. Des ruines un peu partout par contre, cela dit. C'est assez fou. De se dire qu'on a des ruines partout. Ensuite, hop, Spiriax. L'analyser parce que je l'ai pas analysé. Ils s'en fout totalement de tous les. Il est juste pas trop fort, c'est tout ça qu'on retient. Il n'y a pas besoin de faiblesse, c'est juste qu'il faut le bourrer jusqu'à ce qu'il meure.
Allez hop, tac. Il y en a encore? Non, c'est bon, c'est arrivé. S'il y en avait un là. Il me semblait que j'en avais vu un. Ouais, le nombre qu'il y a. Voilà. Bon, on avance. Enfonce dans les bois. Tranquillement. On s'enfonce dans les bois tranquillement. Là, c'est cool, là, j'aime bien l'ambiance. Et est-ce que logiquement, on ferait pas tarder à rencontrer Yuffie, non? Je pense. Je pense. Oh! Incroyable. Il y a plein de choses ici. Un sabre somptueux. Incroyable. Bon, on va voir ce que nous dit l'embarcadère maintenant. ミドガルソウルムが潜んでいます。だって。でも、チョコボのスピードなら大丈夫。さあ、チョコボで血を超えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場まで。 Ok, donc là cette fois on va aller chercher. Ah voilà, Chocobo Ranch. Donc on va aller chercher les chocobos cette fois. Donc là c'est bon, cette fois on est sur la bonne voie. Donc c'est nickel. Donc on est parti. Allons chercher les chocobos. Quoi là-bas là? Ça brille. Je ne sais pas. Voilà, on va prendre tout ça. Tout ce qu'on peut prendre sur la route, on le prend. J'ai pas l'impression de louper grand chose. J'ai l'impression que pour l'instant c'est. Bah, c'est juste on marche, mais on tue des mobs. J'espère juste qu'ils ont pas survendu l'open world, ça m'embêterait un peu. Hop, on va faire un sort de feu rapidement. Allez hop. Allez, le Skyriax qui est planté là. Allez, voilà, il y a un niveau pour Cloud qui est parfait. Ah, les autres montent niveau aussi, malgré qu'ils ne soient pas dans l'équipe, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça voudrait dire qu'ils vont quand même monter de niveau et j'aurais pas besoin de trop. Bon, c'est cool. C'est cool. J'aurais juste à faire une navette entre les trois, entre l'équipe pour faire une bonne rotation en cas de besoin. Et en fonction de ce que j'aurais vraiment le plus besoin pour jouer quoi, pour les combats. Oh, y a rien, c'est vide. C'est vide ici, pour l'instant. Après c'est vide mais c'est court. La zone n'est pas non plus méga grande parce que regardez, ouais voilà. On a déjà fait tout ça hein. On était là hein, tout à l'heure hein. Voilà, en une demi-heure, on a fait ça, on a exploré ce coin-là, on a fait la ferme d'Oliver, on est arrivé jusqu'à l'embarcadère, et là, on va aller là, là, c'est juste à côté, quoi. Donc, en fait, c'est un open world, mais c'est pas un open world gigantesque. Donc, en gros, ça va. Allez, hop, on va s'occuper des orbes vite fait. Allez, mon gars, hop, ça dégage. Allez, hop, tac, parfait.
Alors, voyons voir. La Chocobo Ranch, donc on suit cette route-là. Ah oui, d'accord, en fait, il y avait juste un tournant là que j'ai juste loupé, en fait. Ok, pas de problème. On va en profiter, on récupère tout. Il n'y a pas des coffres, il n'y a rien, là. Je suis en train de regarder, hein. J'essaye de rien louper. Mais pour l'instant, je ne vois pas de coffre. Juste des ennemis. Juste des ennemis, pour l'instant. Et il a pris le tarif. Il est où le dernier là? Alors il est là. Ok, très bien. Et bah c'est parfait, continuons. Il y a un moulin là-bas. On va aller par là. Et on avance tranquillement. Ok, dans range de build, c'est tout proche. Faire le ménage ici, il y a des ennemis, on va en profiter. Autant monter un autre niveau aussi, hein. Clairement, ça va être important. Ok, ça... Allez, on à ton tour maintenant. Non. Alors, je peux faire des compétences, non? Ah oui, voilà. Voilà, bon, ben, c'est bon. J'étais en train de tenter des trucs, hein, en même temps. Bon, Iris, elle a toujours son sort de... Je restaure des PV à tout le monde, donc ça, ça va. Ça va être relativement pratique en cas de besoin. Ah, nous arrivons ici. Voilà, on arrive au ranch. Et on y est. おじさん、あの時はお世話になりました。何？お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。おっと、自己紹介がまだだったな。私はグリン、以後お見知りおきを。で、今日は、あ、もしかしてチョコボが入りようかな。おや、湿地帯を越えたくてよ。 さすがおめが高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り、今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな？うん、そう。 なんと羽毛でぷかぷかと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんだ。ええ、ま、何が言いたいかというと湿地帯を越えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか？もちろん。 Ok. Donc là, on va avoir pas mal de choses à fouiller, je pense. Donc on va faire un tour. On va d'abord se soigner. J'ai le codex, on peut acheter des trucs, mais je vais juste me soigner pour l'instant. Et on verra. Juste de voir si les objets, des fois... Bon, pas intéressant, très bien. J'ai juste vu que j'ai... Ah, j'avais une épée aussi, j'avais vu. Cloud. Voilà. Sabre somptueux. Gagne une matéria supplémentaire. Et je gagne beaucoup. Ah, je gagne beaucoup en points.
Incroyable l'épée, hein. Voilà. Ouais, faire ça. J'ai quoi déjà? J'ai feu, j'ai soin et analyse. Feu, soin et analyse, je vais peut-être mettre, je sais pas moi. Non, c'est déjà celles qui sont équipées. Ouais, bah j'en ai pas. J'en ai pas pour l'instant, donc c'est pas plus mal. On va laisser ça comme ça. Et au moins, on a une épée. Voilà. Une épée d'équipée potentiellement un peu plus puissante. Ok, donc là c'est bon, on va pouvoir aller louer des chocobos, je pense. Je fais un peu le tour rapidement. Voir s'il y a quelque chose à choper. Là par exemple, il y a quoi? Il y a juste des trucs là? Ouais. Il y a juste des morceaux de titane, de trucs. Ok. Et là, nous avons plein de choses. Là. Et là, ça doit être à l'intérieur, visiblement. Oui. Ok, voilà. Le voilà, lui, qui va nous lever des chocobos. おじさんたち運が悪い。おじ。レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるっていうなら譲ってもいいよ。いくらだよ。10万以上。 ごめんね。私たち旅の途中でそんなに払えないの。ああ、それならいい情報があるんだ。情報料1000ギル。えっ？と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからただでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。 もしそいつを捕まえてくれたら、お姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して、足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。 分かった。ありがとう。あとこれ重要。情報をタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てってよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。 Ok, donc là je me souviens de cette zone, donc ok, effectivement on va aller chercher le chocobo à empreintes, avec des empreintes pour évidemment le capturer et le retrouver, et en fait, faire en sorte que ça soit bah, plus ou moins le nôtre en fait. Hein. Parce que au final ça sera le nôtre, un bâton de l'intemporalité. Ah ça c'est pour Iris, voyons voir, c'est ça que je voulais faire, j'ai un peu cliqué sur le pad, alors voyons voir, un bâton. Ça gagne, ouais, ça gagne en magie, clairement. Et il y a une matéria également. Oh, les dégâts de feu. Ok. Je vais quand même... Bien que pèse, voilà. Ok. J'ai rien pour être 13, j'ai rien d'autre. Ok, on est bon. Ensuite, toi, t'as quoi? お金お金って、ごめんなさい。お仕事だからね。気にしないで。そうなんだけど、パパとママがいなくなってからとっても、お金にうるさくなって。お姉さん、ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？知ってるっていうか、うん、知ってる。どこにいるの？
6番街のスラムだろうな。ウォールマウ。サムに会いたいの？わかんない。その人、パパとママの仇なの。クリン、その話はお客さんにはしないよ。でも…今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったら、うちなんかすぐに潰されちゃう。うん、わかった。誰にも言わない。あ、リカを捕まえたら、この野菜あげてみてください。リカは特に野菜が好きだったから、ここに戻ってきたくなると思うんです。それじゃあ、お店も見ていってください。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど、いいものがあったらでいいんで、買ってください。あと、チョコボの装具品と黄金の羽の交換も受け付けてるんで、そちらもよろしくお願いします。OK。Un chocobo, un pomme d'or. Des oreilles de chariot à chocobo. Alors, on va voir en échange. Ouais, voilà, c'est vraiment avec des plumes d'or. Donc, on ne peut évidemment rien acheter pour l'instant. Éclairé. Ok, cool. Plumes d'or, nouvelle quête découverte. La piste du chocobo fugitif. Commençons par chercher des empreintes. Sur la piste du chocobo fugitif. Bah écoutez, on va aller faire ça, on va essayer de chercher notre chocobo. Ouais. Doit changer de convergement pour chocobo avec Chloé, ouais, donc c'est ça. Ouh, il a l'air loin, hein. Ah oui, non, d'accord, c'est juste qu'en fait, on n'a pas vraiment de point de map, ok. Faut juste chercher les empreintes. Alors, comment j'ai trouvé des empreintes? Je crois que c'est dehors, non? Qu'on les trouve, les empreintes, je ne sais plus. Alors, dans le jeu de base, en tout cas, fait juste sortir du ranch, aller sur la map monde et suivre les empreintes, tout simplement. Là, pour l'instant, pas d'empreintes là, donc je vais vraiment peut-être sortir, en fait, tout simplement. Et ça me permettra sûrement de le trouver. Espérons-le. Plus de sauge. À quoi là? Ok. Des pouces, c'est toujours des pouces. Cherche des empreintes, je regarde par terre si on voit pas des empreintes. Ah, allez, voilà, je les vois, ok, c'est bon. Donc, par là, allons-y, on suit. On suit cette route-là. Donc, on va le trouver, notre ami. Hop, allez, on y va, on poursuit. Ok, là, nickel. Il est là. Je pense pas que ça sera aussi simple. Hein. Kari? Tomodachi ni naru nda yo ne? Ah. Essayez de vous approcher de Pico et de le capturer sans vous faire repérer par les autres chocobos. Vous pouvez effectuer une roulade avec Ron si jamais vous pensez être sur le point de vous faire détecter. Vous pouvez ramasser des pierres, lancez-les avec L1 plus carré pour détourner l'attention des grands de ces grands volatiles. Notre chocobo, d'accord. Ok, d'accord. C'est chaud, hein. Essayons. Ok, on réessaye comme ça, ça marche. Ok.
pas contourner. Enfin, éviter les regards des chocobos en fait. Ok. S'endormi, ce qui est très bien. Et on tourne, on va attendre. Et nickel, on y va. Je suis super attentif à ce qu'il va faire. Hein. C'est bon, j'ai eu bien chaud. Il va. Voilà, on l'a. Nickel. Et deux plumes d'or, nickel. Voilà. Ah, c'est trop marrant. On ne part pas, reviens. Oh, c'est vraiment trop bien. Au moins c'est bon, on l'a capturé et on va pouvoir même échanger les plumes comme ça, ça va être bien. Ça va être bien, le fait de retourner vite fait. Parti tellement vite. Ça c'est incroyable. Ok, là on est bon et là on arrive au ranch. Voilà. Ok, on y est. Ok. Eh ben très bien, je vais juste en profiter, je vais aller... Je vais juste en profiter pour échanger du coup des plumes d'or si je peux, voilà. J'ai deux plumes, casque à Virchinara, plastron à Virchinara. On va mettre le plastron, non, pour commencer. Voilà, et je n'ai plus de plumes, très bien, impeccable. Très bien.
Ça, c'est assez mieux, c'est mieux ça après. Ah. Ah! Bah oui. Viens de toi, Chadley. Bien sûr qu'on se souvient de toi. On ne t'a pas oublié. ミッドガルではカズカズのバトルレポートの提出ありがとうございました。おかげさまでたくさんのマテリアを生成することができました。どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られた細胞具ですよ。クラウドさんの感情を読み取ることで簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドガルから飛び出し、 世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。かつて受難共和国が世界中に建設した通信塔を、シンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。 各地にある通信塔を起動していくごとに、僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。また、シンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう？クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。見つけたら起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、 あそこにある通信塔の起動をお願いします。これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。D'accord. OK. On va le suivre du coup. Et on va réactiver la tour de transmission. Très bien, très bien. Ça va nous permettre de faire passer le temps, évidemment, en attendant que Pico soit prêt. Ok. モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたしました。名付けてワールドレポートです。 Chadley a lancé un grand projet d'analyse de la compilation des données du monde afin de développer de nouvelles matérias et des programmes pour le simulateur de combat. Pour cela, il a besoin que vous effectuiez divers types de rapports d'exploration et collectiez des informations sur les régions que vous parcourez. Réactiver les tours de transmission à travers les différentes régions vous permettra notamment d'avoir accès à de nouvelles missions. N'hésitez donc pas à faire des tours lorsque vous découvrez un de ces édifices. Très bien. そうして得られたデータを活用し、新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。ワールドレポートについて他に質問はありますか？ création des matériaux. Demandez-moi tout. Les tours de transmission. Les tours de transmission.
発見した際はぜひとも起動をお願いしますね。あ、通信塔の周りにはモンスターが住み着いていることが多いのでお気をつけて。ワールドレポートについて他に質問はありますか？Le simulateur de combat. VR ゴーグルを使うことで場所に縛られずどこでも模擬戦闘が行えるシステム、それがバトルシミュレーターです。神羅の訓練用技術を拝借し僕なりにアレンジしてみました。討伐以来で得られたバトルデータを使ってシミュレーターの方もバージョンアップしていくのでお楽しみに。さらに各地の神話や伝承を解析し召喚獣も仮想空間上に再現していくつもりです。すでにグラスランドで語り継がれる伝説の巨人タイタンの召喚獣データは解析を完了しシミュレーターに実装しました。よければ挑戦してみてください。ワールドレポートについて他に質問はありますか？Ok, donc c'est bien. Ok, donc du coup, juste pour revenir comme ça, les temps de transmission, c'est clairement comme dans tous les open world, on va activer un truc et on aura plein de points d'intérêt autour. La base. Ça, c'est même sur FF, ils l'ont refait. Il y a plein de trucs là. L'analyse des puits de vie, c'est quoi ça? マコエネルギーに転用するには小さすぎるため、神羅にとっては取るに足らない泉なのですが、僕たちにとっては大切な星からの贈り物です。そんなライフスポットを調べることで、新たな知見を得られるはずです。冒険の依頼項目について、他に質問はありますか？世界には厳しい環境に適応し、独自の進化を遂げたモンスターたちが存在します。各地に生息する特異個体を発見、討伐し、データ収集をお願いします。冒険の依頼項目について、他に質問はありますか？L'analyse de cristaux, on va toutes les faire comme ça au moins. 星の知識の断片が結晶化しているクリスタルがあるんです。結晶体に詰め込まれた膨大な知識の中には、その土地で語り継がれている召喚獣の情報が眠っています。クリスタルを解析し、抽出した召喚獣のデータを流用することで、召喚マテリアを強化できるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？クラウドさん、よくぞ聞いてくれました。実は未知のエネルギー反応を観測したんです。エネルギーを発しているのは過去の異物と推測されるのですが、現時点では正体不明。近づけば何が起きるか分かりません。その物質はまだ名前すらなかったので、エンシェントマターと名付けさせてもらいました。まさか名付け親になれるなんて感激です。クラウドさん、ぜひともこの謎の異物エンシェントマターの調査と回収をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？On est bon. Le tour est fait. レポートについて他に質問はありますか？ Le tour est toujours fait. じゃあ早速マテリアを開発してみましょう。先ほど通信塔を起動したことによりグラスランドの解析が少しだけ進みました。得られたデータをどのマテリアの開発に利用するかはクラウドさんが決めてください。 OK、 feu et glace en même temps, ce qui est pas mal ça. Magie auto, transmutation. OK, faire feu et glace pour commencer.En faire un autre, bah, je pense à faire magie auto. Voilà, très bien. Ok, donc simulateur de combat vous permet d'affronter divers ennemis dans un monde virtuel.Au fur et à mesure que progresse l'analyse de par Shadley des données biologiques des créatures rencontrées, de nouveaux programmes de combat viennent enrichir ce simulateur. Par ailleurs, un programme de combat contre un Esper y est automatiquement ajouté lorsque vous accédez à une nouvelle région du monde. Celui-ci vous permettra d'obtenir un matériel d'invocation correspondante si vous le surmontez. Pour accéder au simulateur de combat, adressez-vous à Shadley. Ok.Je suis en train de quoi était mis à jour.
D'accord, donc là on a plein de trucs qui ont été mis à jour. On va pouvoir aller chercher Pico, je suppose. Mais avant, voyons voir. Qu'est-ce que tu me dis du coup? D'accord. Création de matéria. Donc ça c'est ce que j'étais déjà en train de faire. Dernier tour de combat du coup. On va voir ce que je peux faire. Ah, j'ai oublié la tête. Incroyable. Ok, là on va voir comme dans le 1 du coup les mêmes spécificités donc d'Esper par exemple. Et on va pouvoir du coup récupérer divers trucs en fait. Ouais. Et okay. Ok. D'accord, on va faire donc Titan. Nous avons une matière d'invocation correspondante. Voir le monde, d'accord. Ouais, on va voir si on peut le faire. Prendre Aris et Barrette pour l'attaque à distance. Comme ça, au moins, en cas de pépin, je pourrais esquiver. Oh la vache. Oh mon dieu. Run, run. Oh oui. Ok, j'enlève tellement pas de vie, c'est génial. On s'analyse. Oh! Ah ouais, il calme. J'ai un truc de récupération. Absolument parfait cette histoire. Ok, j'ai fait tellement pas de vie. Enfin, j'arrive tellement pas de vie. Bah, va être long. Ouais, ok, bon, bah, au moins. Ok, ça sert à rien. J'ai pas de vie, non, faut que je fasse les trucs, je pense. Ouais, bon. On va pas s'embêter, il est trop puissant. Faut que je fasse les cristaux en question sur la map pour le faire. Là, je pourrais rien faire. On se casse. On se casse de là, là. Ça le fera pas. Ça ne le fera pas. Ouais, ouais, ok, bon. Donc il va partir être un peu partout de toute façon. Très bien. Allons-y. On va aller... Ah. Tiens. Tout le monde est là. Mais je peux parler à personne. Okay. Ok, bon bah je peux parler à personne, très bien, pas de problème. Pico est prêt à être monté. D'accord, appelez votre chocobo lorsque vous êtes dans une zone accessible au chocobo, vous pouvez appeler le vôtre en appuyant sur R1. Vous ne pouvez pas appeler de chocobo dans certaines zones telles que les villes ou les grottes. Pour appeler un chocobo dans une région donnée, vous devez d'abord y avoir capturé un de ces volatiles. Ok. Ouais. Et là, on va pouvoir le faire là, ok.
Une salle à chocobo terminée. Très bien. Et bah très bien, donc ça c'est bon. Ça m'a l'air bon. Ok, bon, voyons voir ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on s'en fout. Il y a un entraînement. Ouais. Rapport d'exploration à part mal. Ok, rapport d'exploration, la tour. Tour. Rapport d'exploration, rapport chocobo, le chocobo de la prairie, ok. Donc il y a bien des rapports partout en fait. Ouais, il y a plein de trucs partout. Hein. Ok, point d'exploration 1. Ouais, ok, il y a plein de points d'intérêt partout. Donc là, ça va vraiment être un peu plus... vraiment, le monde ouvert, il est là. Hein. Le monde ouvert, il est là, il n'y a pas de problème. Et du coup, on va pouvoir donc découvrir toute la phase... la phase monde ouvert avec le chocobo en plus bientôt. Donc on va le suivre. ゴールド操作で開催されている、チョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。まあ、お兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあ、チョコボに乗ったら声をかけて。 Ok, allons-y. On va apprendre à s'en servir. Bon, parfait. Entraînez-vous à monter un chocobo en faisant la course contre la montre qui est galop de chocobo. Lors de chacun des poteaux, prenez un parcours autour du range de Bill. Sprinter avec L3. Sauter avec rond. Et appuyer sur R2 ou L3 pour accéder à l'avantage. Sécher au galop de chocobo, oui. Ça va me plaire. Allez, let's go, on y va. Ok. Fastoche. On a presque fini. Ok, il accélère là. Hop. Let's go. 30 secondes, impeccable. Ouais. On est bon ensemble. そういえば、お姉さんたち、お金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから、行ってみれば？そうだ。 ついでにクリーンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリーン、ずっと元気がなくて。妹は母さんが大好きだったから。何でもや、してく？いや、急ぎたい。旅、お金かかるよね。何でもや、手伝うの楽しいし。 Notre service en tant que mercenaire, accomplir des quêtes pour le compte des gens demande de l'aide du opérateur de gagner en réputation. Trouver ce qu'on de la carte ou encore le marquer comme destination. Ok. Panneau d'annonce. Les panneaux d'annonce installés en divers endroits comme les tavernes permettent de voir la liste des offres de travail, quêtes disponibles dans les environs. Une fois une de ces quêtes acceptée, l'endroit où se trouve le client correspondant est indiqué sur l'outil de navigation. Réussir ses quêtes avec un de ses compagnons permet à Claude d'accroître son affinité avec lui et d'augmenter le niveau d'équipe. Très bien. Les villes ou les arrêts de chariots à chocobo permettent d'effectuer des déplacements rapides qui vous transporteront instantanément à votre destination. Cela, ouvrez la carte et sélectionnez l'endroit où vous voulez vous rendre. Il existe des arrêts de chariots à chocobo abandonnés. Réparez-les en redressant le panneau pour pouvoir les utiliser.
Déplacement rapide via les arrêts de chariots à chocobo sont disponibles à condition que vous puissiez appeler un chocobo dans la région concernée. Ajout auquel est disponible dans la région de la prairie. Ok. Ah oui, ça c'est la course, ok. Ok. C'est très bien. Alors, voyons voir. Là qu'on rentre, c'est ça, oui, voilà. Tu veux dire que là, il va y avoir des trucs à faire, normalement. Donc là, on a quête des fleurs sur la colline, requête de Chloé. Et ça, c'est au-delà des marécages. Ouais. Les offres de travail. Ah, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire à Calme, visiblement. Et il y a Chadley, évidemment, aussi. Donc, on va avoir pas mal de petites choses à faire à partir de maintenant, je pense. Donc, les petites quêtes se dévoilent. Chadley est là pour nous faire ces trucs aussi. Les tours, c'est disponible. On a accès à notre chocobo. En fait, on a fait beaucoup de choses dans cet épisode, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais on a fait énormément de choses pour l'instant. Donc, du coup, bah, c'est pas si mal. Voilà. Du coup, c'est sur ce moment qu'on va se laisser là pour cet épisode-là. J'espère évidemment que ça vous a plu. Clairement, c'est ultra stylé ce qui se passe. Donc, vraiment, là, c'est cool. On a le chocobo. On va pouvoir avancer un peu. On va retourner à Calme pour les quêtes. On va faire les quêtes ici également. Donc, on va peut-être pas trop avancer dans l'histoire principale pour l'instant, le temps d'avancer dans les quêtes. Mais écoutez, que voulez-vous? C'est aussi la beauté de ce jeu, c'est de pouvoir faire évidemment plein de choses. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et à très vite. C'était Xevalon. Ciao !